Aujourd'hui avec Solal, on vous amène au Salon International de l'Agriculture. Suivez-nous pour découvrir les 1000 m² de nos stands régionales ainsi que tous les animaux présents. Allez, c'est parti, ce qui fait froid. Hein. Vous êtes producteur de beurre, qui êtes-vous? Alors, qu'est-ce que vous représentez sur le salon? Alors on est le lycée agricole des Hautes-Alpes, donc dans le 05 à Gap. Noémie qui est à côté est chef d'exploitation donc, du lycée. On produit plusieurs produits, elle le dira mieux que moi, mais crème fraîche, beurre, yaourt, lait. On a une exploitation agricole avec une trentaine, quarantaine de vaches, qui est un peu un atelier à ciel ouvert donc pour nos élèves et qui apprennent sur le terrain à devenir agriculteurs et à commercialiser les produits de la ferme. Tu vas assez vite ou pas? Elle va assez vite. Pour le beurre? Même légèrement plus vite. Ah ouais? C'est constance et régularité, la clé. D'accord. On était passé d'une heure et demie à trois quarts d'heure, on s'améliore de jour en jour. T'arrives à voir, Soso, je suis en train de produire du beurre. Ah oui, c'est super. Du beurre avec de la crème qui vient directement de Hautes-Alpes. Bien sûr, de Gap. Je reviens dans combien de temps pour goûter mon beurre? Un quart d'heure. Ça va. Bon, ben à tout à l'heure. Là, on est sur le stand, plutôt sur la boutique des Hautes-Alpes. Et je vois que les produits ont un petit logo Hautes-Alpes naturellement. Alors, qu'est-ce que c'est justement? Ce n'est pas un logo, c'est ça? Ce n'est pas un logo, ce n'est pas un label, c'est une marque territoriale. C'est une marque qui a été déposée par la Chambre d'agriculture des Hautes-Alpes il y a une quinzaine d'années. Et l'objectif en fait de cette marque, c'était de mettre en avant le savoir-faire des producteurs, mais pas que, il y a aussi des agroalimentaires, des entrepreneurs de la filière du bois et des restaurateurs. On va retrouver les jailles. Les jailles, donc qui est une spécialité des Hautes-Alpes. Vous avez les pâtes. Qu'est-ce que c'est les jailles? Parce que moi je connaissais pas avant d'arriver là. Les jailles, c'est une partie du cochon, donc du porc de montagne. C'est la gorge en fait, c'est des morceaux de gorge qui sont confits et qui sont souvent servis avec des pommes de terre. Voilà, c'est une spécialité. Et une spécialité aussi également qu'on retrouve dans le sud de notre département, c'est les pâtes aux petites épeautres. Et puis on termine ici par la pomme des Alpes, la pomme de Haute-Durance, voilà, qui est du coup la seule pomme en France à avoir un IGP label rouge sur la pomme golden. Et on a goûté son jus, il me semble, et c'est très bon. Enfin, c'est Soso qui a goûté le jus de pomme. Moi, c'était la poire. Et délicieux. Et en plus, vous êtes en bio? Ils sont en bio, non? Alors, ceux-là, non, ne sont pas en bio. Par contre, on est le premier département bio de France pour la deuxième année consécutive. Voilà. Donc, En termes de quantité? En termes de surface utile agricole, en fait. Okay. Voilà. Vous venez de quelle région? Je suis un Charentais des Yvelines. Là, vous êtes en région sud Provence-Alpes Côte d'Azur. Ça va? Vous vous sentez bien, quand même? Oui, c'est un peu la flemme. Relax. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur ce stand des Alpes-Maritimes? En tout cas, ça sent très bon. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus ce qu'on trouve sur votre stand à vous, plus particulièrement? Bonjour. Bonjour. Donc, je suis Virginie Tollardeau, agricultrice dans les Alpes-Maritimes. Aujourd'hui, on retrouve donc différentes plantes aromatiques qui sont vraiment spécifiques de chez nous, ainsi que mes confitures. Alors, où est-ce que vous produisez exactement dans le 06? À Saint-Martin-Visby, à 60 km de Nice, dans le parc du Mercantour. Quel est l'enjeu là, de venir sur un salon de l'agriculture qui est un événement national? Oui. Mais le but, c'est vraiment l'objectif, c'est de faire découvrir notre département autre que la Côte d'Azur. C'est dire que sur le département des Alpes-Maritimes aussi est aussi une terre agricole, certes différente du reste de la France, mais où on a beaucoup de petites exploitations de qualité, où on travaille principalement seul, en bio et en circuit court. Nous sommes toujours dans une période de sécheresse. Est-ce que vous voyez les effets de ce manque d'eau sur justement vos différentes productions, que ce soit de fruits ou de plantes aromatiques? Oui, tout à fait. On est complètement impacté, même si on est en montagne, par la sécheresse. Est-ce que vous mettez en place des nouvelles techniques d'irrigation? C'est déjà vous irriguer ou si voilà, comment vous arrivez à vous adapter à cette sécheresse? Malheureusement, pour certains domaines, c'est difficile. Après, on remet en eau les canaux d'irrigation que les anciens avaient fait aussi. Donc ça, c'est vraiment, il y a un gros travail avec les élus locaux aussi là-dessus. Malgré tout, s'ils ne sont pas alimentés, c'est difficile. Et puis, c'est aussi en se diversifiant qu'on arrive à arriver à garder notre agriculture et notre emploi. Bon, mais merci beaucoup. Rendez-vous donc, c'est la ferme de Virginie. Merci beaucoup. Merci. Bon salon. Alors, qu'est-ce qui se passe sous cette verrière du stand des Alpes-Maritimes?
Bonjour, donc je me présente, moi je m'appelle Sabine Tabra, je suis médiatrice culturelle au Musée international de la parfumerie qui est à Grasse. Et on propose donc pour le Salon de l'agriculture cette année un atelier le matin olfactif, donc autour d'odeurs, pour faire découvrir aux gens comment on sent, comment on peut justement mémoriser des odeurs. Et l'après-midi, c'est un atelier création de parfums. Grâce au capital du parfum, capital mondial du parfum. Et vous mettez à l'honneur peut-être des essences particulières qui sont récoltées dans la région, le département ? Dans ce parfum, vous voyez, il s'appelle Neroli. Donc c'est effectivement la fleur d'oranger qui va être distillée. Donc forcément, fleurs d'oranger, des orangers amers qu'on a chez nous et qu'il y a aussi à Valoris. Ok, très bien. Mais merci beaucoup et puis bon courage pour la suite du salon. Merci, très bon après-midi, au revoir. Au revoir. Mais là, vous êtes sur le stand de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, ça va ? Vous sentez pas... Oui. Nous, on aime toutes les régions. D'accord. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe sur ce stand des Alpes de Haute-Provence ? Alors là, nous avons procédé à une distillation de fleurs de lavandin grâce à ce distillateur extracteur d'huile essentielle. Mon collègue est en train de tout nettoyer pour qu'on puisse en relancer une autre. Mais en gros, c'est un extracteur à la vapeur qui permet d'extraire les molécules odorantes de fleurs de lavande pour en extraire à la fois de l'eau florale et de l'huile essentielle de lavandin. De lavandin, en l'occurrence, et pas de lavande. Il y a Xavier qui finit son vaisselle. Il faut savoir quand même que pour faire... un litre d'huile essentielle de lavandin, il faut 75 kg de lavandin. Ici, on travaille avec 300 grammes, donc j'appelle ça de la dinette. Donc ça, c'est du lavandin. Pourquoi particulièrement du lavandin ? C'est un peu emblématique d'Alpes de Haute-Provence. Le département des Alpes de Haute-Provence est premier producteur de lavande et lavandin. Bon, mais merci beaucoup. On reviendra pour la distillation. On ne vous embête pas plus pour finir l'installation. Merci. Bon salon. À tout à l'heure. Nous aussi, on veut une photo après. Hein. Sous-directeur. Donc, on refait. Donc, en tant que sous-directeur de la Chambre d'agriculture de Vaucluse, monsieur Guerre, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les engagements de ce département pour la biodiversité et les espaces naturels ? Alors, le Vaucluse est un département avec une agriculture qui est très riche, qui est très diversifiée, et avec une agriculture très respectueuse de l'environnement, puisque ne serait-ce qu'en agriculture biologique, on a à peu près 20% des surfaces et un millier d'agriculteurs qui mènent leur exploitation en agriculture biologique. Qu'est-ce qui est mis en place ? Est-ce qu'il y a des conseils que vous pouvez donner aux producteurs de votre département pour justement pallier à ce manque d'eau ? Alors, je dirais une des meilleures méthodes, je dirais, pour gérer l'eau, ça va être de piloter son irrigation. Donc, c'est vrai qu'au niveau de la Chambre d'agriculture, on va préconiser un certain nombre de méthodes et d'outils, notamment des sondes tensiométriques ou capacitives, qui permettent aux agriculteurs de mesurer la teneur en eau de leur sol et d'amener la bonne dose d'eau au bon moment sur la plante. Je dirais que ces techniques-là, aujourd'hui, elles permettent d'améliorer, on dit, à peu près de 20% la consommation d'eau d'irrigation. Le produit phare, le produit emblématique qui est mis en avant, c'est le miel. Alors, est-ce qu'on peut aller en déguster ? Qu'est-ce que vous nous conseillez ? Moi, je vais vous dire celui que je préfère. Un des meilleurs, c'est certainement celui de David Ganet, qui a été récompensé à de nombreuses reprises pour son miel au concours général agricole de Paris, donc ici. Mais merci du conseil. On va aller, ça te dit, Soso, on va aller goûter ce miel. Merci beaucoup. Hop. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter vos produits, les spécificités de vos produits par rapport à un de vos voisins ? Pourquoi votre miel est meilleur ? Ben, je ne sais pas pour les meilleurs, mais je fais avec amour, avec passion des abeilles. Et après, on ne fait pas tous les mêmes miels, donc on arrive à différencier un petit peu entre chaque collègue. Quoi. Est-ce qu'on peut déguster ce petit miel de lavande ? Faire goûter ça. Vous pouvez nous rappeler les périodes de production du miel ? De lavande, ça commence début juillet. Comment on déguste du miel d'ailleurs ? Ben, vous le mangez comme ça ? Tout simplement. Très bon, très bon. Je connais pas trop ce que c'est un hydromel. Est-ce que vous pouvez... C'est un miel qui était fermenté et la fermentation donne de l'alcool en fait. Et c'est un alcool qui est très vieux, c'est l'alcool du Moyen-Âge en fait. C'est un des premiers alcools qu'a trouvé l'homme avec la bière. C'est une boisson qui a 2000 ans à peu près. Pas celui-là. Non, celui-là. Vous pouvez le goûter si vous... Allez, moi je dis pas non. À 12%, non, 12. 12%, 12 degrés, ouais. Oula, vous êtes généreux. Ouais. Bon, il est quelle heure ? De toute façon, c'est bon, c'est l'apéro là déjà. C'est une heure, ça. Oh, ça va. Ah ouais. On sent pas trop l'alcool, hein ?
C'est un peu traître, ouais. Fais-la doucement. Mais merci beaucoup. Je vais donner le reste à mon collègue. Mais merci, bonne journée à vous et bon salon, bon courage. Je m'apprêtais à recevoir. Ouais, il est muet maintenant. Il est muet. Alors qu'est-ce que c'est le jus pressé à froid ? C'est les jus pressés à froid en Provence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de traitement thermique sur le produit. Et en fait, nous, la pression à froid nous permet en fait d'avoir les mêmes avantages sur la conservation du produit, de la DLC du produit, sans avoir les inconvénients de la cuisson, c'est-à-dire qu'on garde toutes les qualités organoleptiques d'un jus de fruits pressé minute. C'est le gros avantage. Alors je me permets, je vais venir à côté de vous parce que sinon je vais avoir une crampe, je vais passer par là-bas. Je vais avoir une crampe au bras. Vous êtes basé où sinon dans la région ? Alors l'usine de fabrication elle est située sur Cavaillon. Donc dans le jardin de l'Europe j'allais dire, puisque 80% de nos producteurs sont situés à 30 km à la ronde. Donc aussi bien de la pomme, de la poire, du concombre, du céleri, de l'épinard, de la betterave, de la carotte, enfin on fait tout ce qui est jus de fruits et légumes frais pressés. Mais merci beaucoup et je pense qu'on va encore rester pour goûter ouais, d'autres produits. Ouais. Ouais, super, cool. Merci beaucoup. Avant il faut que tu manges. Oula. Tourteau à la patate. Là on va bien s'entendre. Si on nous nourrit. Nous avons enfin trouvé le stand de la maison régionale de l'élevage. Allons découvrir les animaux qui sont présents. Bien sûr, le mérinos d'Arles. Et d'ailleurs, je vois que nous avons la marque Larouteau de vêtements que nous avons pu essayer lors du SAP l'année dernière. Les fameuses chèvres du Rove. Elles sont toutes calmes, toutes mignonnes. Tu les vois bien ? Alors malheureusement, cette année, il n'y a pas de taureau de Camargue. Comment se passe ce salon ? Pas très loquace. Qu'est-ce que vous en pensez d'Ovalie, monsieur ? C'est une belle bête. Hein. Oui. C'est vraiment... Si, c'est beau. Hein. Alors cette année, la thématique mise en avant par le Var, c'est le rosé, bien sûr. Et nous avons la chance d'avoir une visite guidée du vice-président du conseil départemental. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans le Var. Merci. Alors vous allez nous faire une visite guidée de ce stand, de ce bar mis en place spécialement pour le salon d'agriculture. Oui, tout à fait. C'est avec le département du Var et Var Tourisme, l'agence de promotion, nous avons mis en place cette année la filière et nous valorisons la viticulture à travers ce magnifique bar et cette dégustation parce que c'est vraiment un univers qu'on est en train de faire découvrir aux visiteurs. Parfait. On s'installe ? Allez. En attendant, est-ce que vous pouvez nous donner un peu les chiffres clés du vin et plus particulièrement du rosé dans le Var ? Oui, donc le vin rosé, le vin de Provence, nous sommes les premiers producteurs sur la scène internationale en rosé. C'est 30 000 hectares cultivés autour de la vigne et c'est 150 millions de bouteilles qui sont produites et qui sortent de notre département. Alors, je vois qu'on commence à nous servir. Peut-être vous pouvez nous dire quelques mots sur les appellations ou qu'est-ce qu'on a de bon à déguster. Donc vous avez un Côte-Auvarois, un Côte-de-Provence et un Bandol. Avec ça, on a mis en valeur le fait que ce n'était pas que des vins d'apéritif. C'était surtout des vins qu'on peut utiliser aussi pour la table. Santé, allez, on tine. On rappelle bien sûr que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est important. Je pense qu'aujourd'hui, il faut davantage se structurer sur la répartition de l'irrigation sur notre département. Nous avons encore des zones blanches et nous devons vraiment y travailler, notamment avec la Société du Canal de Provence. Et c'est le cas avec sa présidente Fabienne Joni. Mais aussi, il y a de plus en plus de domaines qui se mettent goutte à goutte sur les vignes. Donc il y a vraiment une prise de conscience et des nouvelles modes qui se mettent en place pour pouvoir protéger la vigne et lui garantir l'eau qu'il lui faut sans trop tomber dans une irrigation excessive. Merci beaucoup. On va continuer pour ne pas gâcher tout ça quand même. Et puis bon salon. À vous aussi et merci de votre présence. Tiens Soso, j'ai trouvé notre rendez-vous 17h. Oh. Même à Paris, je suis aussi nulle que dans le sud. Et on peut goûter ? Ça te dit Soso ? C'est parti. Sur le stand du département des Bouches-du-Rhône, je suis avec Nathalie, qui est directrice du syndicat de l'AOP Huile et Olive de la Vallée des Baux-de-Provence. C'est une appellation, déjà, on a la chance d'avoir 4 appellations d'origine protégée. Donc c'est une appellation qui fait 30 km sur 10 et qui fait 2000 hectares d'oliviers, 16 moulins et environ un millier de producteurs. Je me tourne vers Aurélie,
qui est productrice et moulinière, donc c'est pas la majorité des producteurs qui ont cette double casquette. Est-ce que vous pouvez un peu présenter déjà votre domaine de production ? Oui, tout à fait. Donc bonjour. Effectivement, comme Nathalie vous le disait, nous sommes 16 moulins. Donc tout le monde n'est pas producteur et moulinier. Nous avons beaucoup de producteurs. Et ensuite, nous avons les transformateurs, donc ceux qui transforment les olives en huile, qui eux sont des mouliniers. Nous avons également des confiseurs en AOP Vallée des Baux hein, pour faire les olives de bouche. Donc comme elle vous disait, Nathalie, vous avez les olives noires et les olives cassées, qui sont vraiment deux typicités de l'AOP Vallée des Baux de Provence. Donc pour ça, nous avons ce qu'on appelle des confiseurs. Alors c'est parti pour le moment préféré, la dégustation. Et comment on les utilise ces huiles, c'est pour de la cuisine, l'assaisonnement? Alors là, vous êtes en train de goûter un fruité vert. Donc un fruité vert, vous avez des arômes d'artichauts crus, d'herbes fraîchement coupées, de foin frais. Voilà, vous avez plein d'arômes différents que vous pouvez retrouver. Donc c'est une huile qu'on va utiliser dans les salades, sur un bon chèvre chaud. Voilà, vous pouvez cuisiner avec sans souci. Vous l'utilisez de partout. Mais merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée, bon salon. Bonne journée, merci. C'est bon, j'ai retrouvé le chemin. Les chevaux de Camargue, c'est par là-bas. On aurait pu prendre des chevaux de trait quand même, on a les On a trouvé les chevaux de Camargue, mais aussi le vin et les bons produits. La Camargue est vraiment venue en force. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur votre stand ? Donc, on a pris les vins sables de Camargue, qui sont produits entre Sète et les Saintes-Maries-de-la-Mer sur des territoires sableux. On est venu avec les produits de la terre, donc notamment l'AOP Taureau de Camargue, qui présente du saucisson de taureau de Camargue. Et on est venu avec les produits de la mer, avec les brandades de morue. Je crois qu'il n'y en a plus. Non, il n'y en a plus. On a une autre spécificité, c'est que nous, on vendange de nuit. Ah, et qu'est-ce que ça confère aux raisins et au vin ? Ben déjà, nous, on vendange aux alentours du 20 août, donc il fait assez chaud la journée. Donc, l'avantage de vendanger de nuit, c'est qu'on a un raisin qui est vraiment très frais. On commence à vendanger vers 1h du matin à peu près. Et quand notre raisin arrive en cave, il est vraiment très frais. On n'a pas besoin de refroidir. Donc déjà, écologiquement parlant, c'est pas mal. Est-ce qu'on peut déguster ? Ah bah oui. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose de très léger, très agréable, avec du fruit. En fait, nos vignes, il faut savoir qu'elles sont toute l'année les pieds dans le sable, sous le soleil, au bord de la mer. En fait, on a des vignes vacancières. Elles sont en vacances, ce que j'allais dire. C'est ça. Je me sers. Okay. Bien évidemment. Me permet. Allez-y. Comme on se retrouve, bon, qu'est-ce que vous faites de bon et de beau sur le salon ? On est venu ici représenter la Provence. On est très très fiers de venir représenter la Provence. On a été invité par Marseille Provence Gastronomie, donc la région. Et on est avec un autre chef. On prépare le cocktail dînatoire de ce soir avec Madame Martine Vassal, avec Monsieur Muselier. Moi, j'ai une question très très simple. Ah, on va être coupé. Là, encore en plein hiver, on subit des sécheresses. Comment la région se positionne en tant que médiateur par rapport à cette problématique ? Avec le ministre Monsieur Fesneau de l'Agriculture, demain, faire une première en France sur la récupération des eaux usées et de leur retraitement. Voilà. Donc il y a des outils très concrets avec la société du canal de Provence. On va investir 650 millions d'euros pour monter sur les 800 millions d'euros pour arriver à mettre des gouttes à gouttes partout, notamment dans tout l'ouest des Bouches-du-Rhône, tout le Vaucluse et le Var étant en partie opérationnel déjà. Merci beaucoup. Un dernier petit mot pour tous les agriculteurs et les producteurs présents sur le salon cette année ? C'est un salon populaire exceptionnel. Ce qui veut dire que les gens, le peuple dans sa globalité, ils aiment, ils veulent savoir, ils veulent comprendre, ils veulent voir toucher le cul des vaches, ils veulent goûter, voir les territoires. Le peuple aime ça. Les gens aiment ça. Nous aimons notre nature et c'est un message encourageant vis-à-vis du monde de l'agriculture qui souffre et qui a toujours de l'inquiétude. Venez soutenir nos producteurs, nos agriculteurs sur les différents stands et surtout pour des dégustations. On vous laisse, vous repartez sur une dégustation ? Et bien entendu, là c'est la fête des jeunes agriculteurs, je ne risque pas de rater ça. Parfait. Merci beaucoup Monsieur Meselier. Bleu, c'est vraiment très joli. Et toi ? Oui, c'est. Alors on va pas se mentir qu'on a quand même bien plus l'habitude de rencontrer des tomates rouges. Après, le bleu est une belle couleur. Rejoignez-nous sur Bleu Tomate, qui est sur YouTube, Instagram, YouTube et surtout YouTube. Et abonnez-vous à notre chaîne. Merci.